Bonjour à tous, ici Victor Hugo, 1860. Eh bien, on est mardi, 18 décembre. Donc, la fin du monde, J-3. Et pour ceux qui auront survécu, Noël, J-6. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, il y en aura pour tout. Alors, je manipule mes trucs. J'arrive sur l'écran. Eh bien, on va y aller. Je voulais juste dire quelque chose que j'ai sur la patate un peu rapidement, hein, sans être lourd là-dessus. C'est que il y a beaucoup de haine sur, entre les youtubeurs qui jouent au code. Il y a beaucoup de haine, bon, je le ressens dans les messages qu'on m'envoie. Bon, bref, il y a beaucoup de dénigrement. On casse du sucre sur le dos des gens par derrière. Bref, moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Hein, ça vous plaît pas, ça fait rien. Vous pouvez vous désabonner. Mais mes potes sont mes potes. Et j'en changerai pas. J'en ajoute d'autres. Massbox a changé. Hein, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Hein. Donc, je privilégie les youtubeurs qui produisent, qui font des vidéos de qualité, et pas uniquement du FPS. Voilà. FPS, c'est bon, vous verrez, c'est bon de 12 à 19, ou 20, et après on change. On va un peu vers les RPG, les jeux de rôle, des trucs comme ça. On y va! Donc, par rapport à cette histoire de fin du monde, ne vous faites pas de bile. Il n'y aura pas plus de fin du monde qu'autre chose, parce que nous avons des observatoires stellaires qui observent le ciel. Il n'y a aucun danger à l'heure actuelle de voir des météorites, ce qu'on appelle des géocroiseurs, venir s'écraser sur la Terre. Donc, c'est foutaise de journalistes pour faire vendre, pour faire peur aux gens. Voilà. Et vous verrez, vous mangerez la dinde de Noël sans problème. Sinon, on va tous au trou, hein, au cimetière, comme on dit, de la catastrophe. Non, mais les Mayas étaient un peuple, une culture relativement cruelle dans sa manière de vivre. Ils jouaient à des balles. Ils jouaient avec une balle de caoutchouc brut tirée du l'arbre à caoutchouc, les VA. Ils se les envoyaient entre eux, ils s'esquintaient. Et c'était pratiquement un jeu où le perdant, il mourait, quoi. Et lors des batailles, quand on capturait les ennemis et que l'ennemi avait été valeureux, on le mettait sur un autel de pierre et on lui arrachait le cœur vivant et on bouffait le cœur pour prendre les forces du guerrier. Voilà. Voilà qui étaient les Mayas qui nous prédisent la fin du monde. Ils ont dû se tromper d'un zéro, ça doit être 20 000. Hein. 20 120 ou je sais pas quel chiffre. Voilà pour la fin du monde. Et c'est comme l'alignement des planètes. Tous les 10 ans, il y a des magazines qui font les gros titres sur l'alignement des planètes, les raz de marée, les tsunamis et compagnie, les éruptions volcaniques. Voilà. Vous savez, le jour où ça pètera, on aura juste le temps de s'en apercevoir. Et, hein? Bien. Alors. Grade 11. Je suis monté un tout petit peu. Hein? Grade 11. Quand je me chauffe comme ça, je préfère pas. Et bien voilà. Je suis tout à fait froid, j'arrive. C'est rapide. Hein. Encore ce fichu navire. Non. Ouais. Ooh.
Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Là, j'y vais au hasard. Hein. Élimination confirmée. Autorisation d'ouvrir le feu. Bien. Ah, c'est juste quoi ça? Qu'elle gagne, ah putain, toujours le même respawn. On a pris l'avantage. Je recharge. On a perdu le contrôle. Il est un peu lent hein, à se mettre en joue. Allez. On a avancé. Drone en approche. On n'est plus en tête. Putain. On va gagner ce combat. Pourri. Que c'est pourri leur truc. Avec le stick pourri comme ça. Tranquillou le mec. On a plus l'avantage. Attention, drone ennemi en approche. Ça va péter. Distance de sécurité. Drone en approche. Qu'est-ce qu'il a dit, Satchou? Attention, drone de chasse ennemi en approche. Drone de chasse déployé. Voilà, je voulais comprendre le drone. Le drone a été pour moi. Ah, ils sont bien bouchés. J'ai vu ça. Je croyais pas qu'on pouvait avoir deux armes sur soi. Et alors j'ai vu un film, bien sûr, c'est un film avec Harrison Ford. Danger immédiat, ils ont passé il n'y a pas longtemps sur les chaînes. Allez, et on voit le personnage, on voit le mec avec ses... On voit le mercenaire avec ses... son fusil en bandoulière. Élimination confirmée. Non! Non! Oh, chaque fois je gâche. Vas-y, collègue. Mais non! Mais qu'est-ce que tu tires, ce père? Ouh, quel bordel! Non! Non! Mon ennemi en approche. Bâtard! J'ai le droit de le dire, les mecs, hein, bâtard! Parce que là, putain, j'en ai pas mal, hein! Je commence à m'améliorer un tout petit peu. Bon, m'améliorer, c'est surtout que je prends. Ah! Il m'a gelé. Non, je ne m'en ferai pas ça. Il m'a gelé! Enlève ton...
maintenant. Il faut gagner la manche. Allez, on joue plus. Ouais, je vous ai raconté pour les grenades collantes. Élimination confirmée. Eh ben, je crois qu'il y en a un qui s'appelle... Il y en a un qui était venu me faire une critique amère. Ça m'avait foutu en l'air. Et bien voilà, il dit, voilà, allez, vas-y, améliore-toi, monte de niveau. C'est pas que je m'améliore, c'est que je prends plaisir au jeu. Oh putain, la sauce grenade, vous avez vu? Non, là, vraiment beau. Chien d'attaque ennemi dans le secteur. Attention. C'est vachement long, là. Drone ennemi en approche. Allez, bouge! Bien, il devrait y avoir en retour respawn plus rapide. Hein. C'est trop lent. Hein. Oh, vos drones de merde, là! Vos gadgets à la con, là! Putain! Dans ma home, comme on dit, comme disait... Allez le voir, au fait, c'est une nouvelle chaîne qui est dans ma Xbox. War Gamers. J'ai droit à quoi, là? J'ai droit... Mais arrête! Putain de classe d'arme pourrie, hein. Tu sais jamais comment tu dois faire pour l'avoir. Hein, ce qui pourrit, c'est les deux pistolets. Si je peux les changer, hein, je vais le faire. Attention, aéronef furtif ennemi en approche. C'est aussi double l'un que l'autre. Hein. Ouais, tu aurais dû m'éliminer déjà au bout de deux. Hein. Allez, allez. Merci. Bande d'enfoirés. On vous paye ça 1,5 milliard de dollars. Vous pouvez pas nous mettre des serveurs valables. Bande d'enfoirés. C'est l'heure de vérité. Vous roulez en Mercedes ou je sais pas trop quoi, en limousine. Bande d'enfoirés. Vous foutez vos dollars. Je le vois arriver, je bouge pas. Non mais c'est pas possible. Attention, drone de place ennemi en approche. Attention, drone ennemi. J'ai horreur de servir de gibier de potos. Il est trop lent, mon truc est trop lent. Bouge, il va te tomber dessus. Là, je maudis ce putain de... Le temps. On revient pas au respawn rapidement, hein. C'est horrible, hein. Horrible. Hein. Ça prend 2-3 secondes à revenir, c'est chiant. Allez! Ouh! Call of Duty, va! Défaite, ça fait rien. Je vous la poste quand même. Parce que bon, il y a deux joules utiles et bon. Je vais pas continuer à part que ce soit en super fan. Parce que là, il faut que je sorte mon chien. Wink wink. Wink wink. Wink. Ciao, cacahuète, à toute allure.